Dieu parle dans nos doutes, comment trouver des réponses dans l'incertitude. Avez-vous déjà traversé une période où tout semblait incertain, où les questions s'accumulaient sans qu'aucune réponse ne vienne? Peut-être êtes-vous là en ce moment, plongé dans le doute, cherchant un sens, une lumière au bout du tunnel. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer comment, même dans les moments de doute, Dieu continue de parler, de guider et de transformer nos vies. Le doute est souvent perçu comme une faiblesse, comme une ombre qui vient d'assombrir notre foi. Mais qu'en est-il si le doute était le signal nous invitant à nous abandonner dans les mains de notre Père, le Dieu Alpha et Oméga? Dans la Bible, même les plus grands hommes de foi ont traversé des moments d'incertitude. Pensez à Moïse, qui doutait de sa capacité à libérer son peuple, ou à Élie, qui, après de grandes victoires, s'est retrouvé seul et découragé. Pourquoi Dieu permet-il de tels moments de doute? Parce que dans notre vulnérabilité, nous sommes plus réceptifs à sa présence, à sa voix. Dans le doute, Dieu nous apprend à écouter plus profondément ce que l'Esprit nous murmure. Il utilise ces périodes pour purifier nos intentions, pour que nous apprenions à nous appuyer non sur nos propres forces, mais sur lui, comme sa parole est écrite dans Zacharie 4 au verset 6. Si aujourd'hui, vous vous sentez perdu ou incertain, sachez que ce sentiment n'est pas une fin en soi, mais un chemin, une invitation de Dieu à vous rapprocher de lui. Parfois, les réponses que nous cherchons ne viennent pas toutes de suite, car Dieu utilise ce temps pour nous préparer, pour que nous soyons capables de recevoir et comprendre les réponses avec un cœur transformé. Alors, comment trouver les réponses dans l'incertitude? Premièrement, écoutez avec un cœur ouvert et focalisé sur Dieu. Prenez du temps chaque jour pour vous recueillir, même si les réponses semblent lointaines. Ensuite, cherchez des signes dans votre quotidien de ce que l'Esprit communique. Dieu parle souvent à travers des détails, des rencontres, des coïncidences. Enfin, souvenez-vous que Dieu ne vous abandonne jamais, même quand tout semble sombre. Comme un guide dans le brouillard, il vous mène pas à pas, et chaque étape de foi que vous faites le rapproche davantage de vous. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et j'aimerais savoir quelles sont les périodes de doute que vous avez traversées et comment avez-vous senti la présence de Dieu à travers elles. Partagez votre expérience en commentaire. Votre histoire pourrait être la réponse, l'encouragement qu'un autre cherche en ce moment même. Abonnez-vous si vous voulez suivre cette série de messages inspirants, car ensemble, nous trouverons des réponses dans les moments de doute et de foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous guide dans sa parfaite science. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous guide dans chaque étape de votre cheminement.